le forgeron. Je suis leur forgeron, Touareg. Et grand-père et grand-père. Depuis 1973, je suis habité à Tiembouctou. Donc on est installé là-bas jusqu'à mon père même est décédé là-bas, ma mère est décédée là-bas. Et après ça, je suis marié, tout ça. J'ai trouvé les... Voilà. Donc je suis grandi là-bas, Tiembouctou même. Et à partir des mois de rébellion là, tout est coupé. On a entendu qu'il y a des islamistes et des rebelles qui sont rentrés à Tiembouctou. On a eu peur. Tout le monde a eu peur. Tout le monde qui voit leur drapeau là, et, il ne sait pas qu'il ne peut pas rester pire. Il n'y a personne qui reste. The reason people left, one, it was a conflict, there was fighting. Two, there was an imposition of fundamentalist interpretation of Islam, which many people didn't want. But the basic reason people left is they were afraid. David Gressley, I'm the deputy special representative for the UN mission here, also humanitarian coordinator for the UN system and the NGO community here in Bamako. Il veut prendre les enfants, les garçons. Il veut les petits enfants, des 12 ans, des 15 ans, pour enlever ce qu'ils ont dans les cerveaux. Il y a madame qui me dit, ah, nous, il faut qu'on sort. Je lui dis, où on va partir? Je lui dis, où on va partir? J'en ai 5 enfants, c'est ma famille. Il me dit, moi, donc les enfants, ils sont à l'école, donc obligés de venir à Bamako, à cause des enfants. Lui, il est là-dedans, avec ses petits frères. Donc, je suis venu à Bamako. Parce que pour vivre à Bamako, c'est dur. Très dur. Tout est cher. Si j'ai vu quelqu'un que je connais, il peut me donner 1000 francs pour amener, pour faire manger les enfants. Je fais les bacs comme ça, les trucs, pour amener au marché, pour vendre en détail. Je paye la maison, location. Il me reste au moins 10 000 francs pour donner ça à la famille. Bon. Pendant une semaine ou bien deux semaines, c'est bon. On vient rentrer. Hein? Parce que chez nous, c'est pas la même chose qu'ici. أعد هذا التقرير للأمم المتحدة نيثان بيريرو.